C'est le meilleur titre qu'on peut gagner dans une vie, mais je pense que pour moi, c'est d'être heureux. C'est trouver le moment d'être heureux, qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. Et pour moi, ça, c'est on a tout gagné si on est heureux. Bonjour, je m'appelle Abdulaziz, j'ai 21 ans et je participe au concours d'éloquence. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans, j'habite à Évry et je participe au concours d'éloquence. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, j'étudie à Évry et je participe au concours d'éloquence. Bonjour à tous, je m'appelle Dira Fatoumata, je suis âgée de 22 ans, j'habite à Corbeil-Essonnes. Bonjour, je m'appelle Karine Parlon, j'ai 22 ans et j'habite à Évry-Courcouronne et je participe au concours d'éloquence. Je m'appelle Ilham, j'ai 28 ans, j'habite à Évry et je participe au concours d'éloquence. Bien, bonjour, je m'appelle Valentin Gérin, je suis étudiant en Master 1 en droit de la santé. Bonjour, je m'appelle Adèle Abderrahim, je suis étudiant en Master 1 à l'Université d'Évry et je suis président d'Évry Insolente, une association de débat et d'éloquence sur l'Université d'Évry. Président d'une asso, l'association Révolte-toi Évry, asso d'éloquence, du coup de prise de parole en public en règle générale. C'est une association qui participe tous les ans au championnat de France de débat et d'éloquence, qui organise aussi des procès fictifs, donc on a fait le procès de Batman, le procès du Loup de Wall Street, des procès un peu fictifs. On participe du coup à un tas d'événements avec la fédération à laquelle on est rattaché, la fédération francophone de débat, avec laquelle on a pu remporter cette année la Coupe de France de débat. Du coup, voilà, nous sommes champions de France actuellement. Je crois profondément qu'on est tous capables en réalité de faire un discours et que ça puisse se tenir. Tout repose en réalité sur quelques éléments, notamment la gestion du stress, la voix portée, s'entraîner à parler plus fort peut-être déjà. On a toujours tendance à parler assez bas au final. S'écouter un peu, essayer de se regarder, même si c'est pas facile, au final c'est très compliqué de se regarder pour ce genre de choses, mais c'est s'assumer un petit peu, croire en ses propres idées. Ce concours, c'est avant tout une collaboration avec nos compères déjà d'Évry Insolente, également avec La Fabrique, avec la mairie d'Évry. C'était un projet porté d'abord par la mairie et La Fabrique pour faire bénéficier un petit peu des retombées de cette discipline qui peut paraître parfois un peu trop élitiste, je crois. L'éloquence, ça apporte énormément de choses, ça apporte déjà de la confiance en soi. Et ça nous apprend à vraiment réfléchir sur plein de choses, sur des sujets de philosophie, sur des sujets d'actualité, sur des sujets un peu plus personnels. Réfléchir aussi sur soi-même. Et c'était aussi cette volonté, je pense, de pouvoir faire redescendre un petit peu tout ça et de pouvoir donner l'accès au final à un peu tout le monde, et notamment aux habitants et aux jeunes de la ville d'Évry. Il n'y a pas forcément d'atout. En fait, il y a autant d'éloquence qu'il y a de personnes, finalement. Donc, il n'y a pas vraiment d'atout. Les fêlures sont aussi bonnes à prendre que les qualités. Donc, il faut chercher vraiment ce qui nous ressemble le plus, finalement. Nous le devons à qui ? Notre employeur ? Bien. Donc, partons de là. La société dicte-t-elle nos critères de beauté ? Une personne généreuse est-elle obligée de l'être sans cesse ? C'est des exemples de personnes qui ont parfaitement réussi sans pour autant terminer leurs études. Mais ma honte n'est-elle pas une punition suffisante ? Donc, je vais conclure par rapport à ce thème-là. Comment être un weeb et cool, c'est vraiment de vous accepter vous-même. J'avais déjà participé à un concours d'éloquence et j'ai trouvé ça vachement agréable. C'est quelque chose que j'aime. Quand on parle bien, le comportement, l'élocution, enfin, on a pris en compte toutes ces choses. C'est le meilleur titre qu'on peut gagner dans une vie. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment ce qu'on peut définir d'un titre, mais je pense que pour moi, c'est d'être heureux. C'est trouver le moment d'être heureux, qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. Et pour moi, ça, c'est on a tout gagné si on est heureux. C'est vrai que c'est difficile en deux mots. Alors, je vais être égoïste parce que je dirais le plaisir, parce que j'ai pris plaisir. Et pour moi, c'est la convivialité, c'est-à-dire retrouver du monde. Retrouver du monde, parce que depuis quelques temps, chacun est isolé. Et puis là, retrouver du monde, ça fait du bien.